Cérémonie de passation de services successifs de commandement de zone de défense et de sécurité numéro 7 et le commandement de la Légion numéro 2 de la Gendarmerie nationale a eu lieu à Faya-Largeau. Dans un premier temps, la passation de service entre le comzone entrant et sortant, le colonel Kessou Bella Naouré cède son fauteuil au colonel Bostigué Dindi, désormais le chef à la tête du commandement de zone de défense et de sécurité numéro 7 du Borkou. La deuxième passation de service de la Légion numéro 2 entrant et sortant, le colonel Mahamat Hamdan cède son fauteuil au colonel Bosque Yaya comme nouveau chef à la tête du commandement de la Légion numéro 2 de la Gendarmerie nationale du Borkou. Président de la cérémonie, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Yaya Siro, a exprimé en ces termes: vous avez un nouveau chef, vous obéirez ses ordres pour l'accomplissement de ses lourdes tâches qui l'ont assigné. Le passage en revue des troupes par le chef d'état-major de l'armée de terre marque le temps fort de cette cérémonie. Place de l'indépendance de Fada a abrité la cérémonie de passation de commandement de la zone de défense et de sécurité numéro 1 sortant et entrant de la province de l'Enedi-Ouest. Le passage des troupes en revue et la remise d'étendard au nouveau comzone par le chef d'état-major de l'armée de terre, premier adjoint, le général de brigade Yaya Siro Borgo, sur le temps fort de cette cérémonie qui a vu la présence du nouveau gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Idriss Gad Abdrahman, et les autorités administratives, civiles et militaires de la place. Après 6 mois à la tête de la zone de défense et de sécurité numéro 1, le général de brigade Moussa Anour Daoud, par le biais de son représentant, le Comgroup, le colonel Mahmoud Aboud, passe le bâton de commandement au général de brigade Mahmoud Brahim Adam, nommé par le décret numéro 3021 du 30 septembre 2022. En remettant l'étendard, le chef d'état-major de l'armée de terre, premier adjoint, le général de brigade Yaya Siro Borgo, recommande les officiers, sous-officiers et hommes de rang désormais qu'ils reconnaîtront le général de brigade Mahmoud Brahim Adam comme leur chef et il leur demande d'obéir à tout ce qu'il commandera. Et enfin, le nouveau comzone, le général de brigade Mahmoud Brahim Adam, a pris le commandement de ses troupes.